There's just something completely different about this particular scenario. Why? Because Rihanna's at the forefront and she's being celebrated, and we have ASAP that's l just showing up. Like, he's showing up and he's just happy. He's just happy to be there. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars vous avez bien fait la voix. N'hésite pas à t'abonner. Tu connais déjà ici c'est Jonathan Chill, l'idée de la chaîne pour te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 ans en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Fais-toi plaisir avant de créer à l'arnaque quand même, jette un coup d'œil. Hein. Et deuxième chose, ma formation Pirate Marketing. Si tu veux en savoir plus par rapport à ça, je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5000 euros par mois. Si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu pourras même avoir un appel offert avec un membre de mon équipe. Cet appel est gratuit, tu proposes toutes tes questions si tu veux aller plus loin avec moi. Hein. Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi élevé dans 91 jours, j'ai oublié mon être technique. Arrêtez de chialer, si tu fais rien, il va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Bon alors les gars, tu savais bien que j'allais quand même en parler. Parce que quand même, c'est un petit peu, voilà, à un moment donné, je suis obligé d'en parler. Tu sais très bien que quand il y a un homme qui se fait émasculer, je pense que c'est en français, émasculer, quand il y a un gars qui se fait émasculer comme ça, il faut, on est obligé d'en parler un petit peu. On peut pas laisser les choses comme ça. Hein? Donc alors, peut-être que si tu n'es pas au courant, Rihanna et ASAP Rocky, ils ont fait la couverture. Alors peut-être que c'est pour le buzz, peut-être que c'est pas vrai, peut-être qu'elle a fait ça juste pour, voilà, pour le buzz, mais je pense que non. Parce qu'on sait que ASAP, ça fait un moment qu'il veut gérer Rihanna. Et voilà, et là, il doit être super content de la voir. On voit bien que c'est elle qui gère. D'accord? Donc, pas de souci pour ça. Mais déjà, juste le fait de le faire, même si c'est toi qui lead dans le couple, ok? C'est cool, pas de souci. Mais pourquoi tu veux l'afficher au monde, en fait? Je trouve que ça n'a pas forcément d'intérêt. Je vois pas l'intérêt, en fait, de montrer au monde que c'est toi qui lead ton gars et que genre lui il est soumis, ou je vois pas trop. Attends, on va regarder en même temps l'image parce que je vais regarder l'image en même temps que toi pour que ça me. Pour que, moi quand je vois l'image comme ça, je comprends pas trop. Qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu aurais fait. Est-ce, pourquoi t'as pas fait ça avec ton ex-milliardaire? Parce qu'elle était avec un milliardaire, Rihanna. Pourquoi elle a pas fait une couverture Vogue est-ce qu'elle aurait fait la même position? Est-ce qu'elle aurait fait la même chose avec son milliardaire? Ou imaginons qu'elle était avec Jay-Z. Est-ce qu'elle aurait fait la même couverture? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Jay-Z, voilà. Est-ce que ça veut dire que Jay-Z n'aime pas Beyoncé ou non? J'ai pas l'impression. Est-ce que ça veut pas dire que Jay-Z porte en l'air sa femme? J'ai pas l'impression. Il est toujours, il la porte en l'air, ok? Mais il reste leader. Elle reste soumise quand même à Jay-Z. Tu peux dire tout ce que tu veux, même si elle chante les All the Single Ladies, elle rentre chez elle avec son mari. Tu sens que c'est Jay-Z le leader. Mais ça veut pas dire que genre, dire tout se passe très bien comme ça. Okay? Là, je ne sais pas ce qu'elle veut faire. Okay? Parce que moi, je vais te donner mon opinion par rapport à ce couple, honnêtement. Ce qui s'est passé, c'est que Rihanna, elle était avec son milliardaire. Le milliardaire, il n'a sûrement pas voulu lui faire d'enfant. Elle a vu qu'elle commençait à perdre, qu'elle commençait à prendre de l'âge. Elle a dit, il me faut ce qu'on appelle le bêta provider, là. Le bêta, un gars qui est, ça va. Alors, dans ce cas, ce n'est pas bêta provider, mais en tout cas, le bêta, je ne sais plus c'est quoi l'expression pour ça. Mais en fait, quand les meufs ont commencé à atteindre les 31, 32, elles ne cherchent plus le alpha qu'elles voulaient réellement. Donc, dans le cas de Rihanna, c'est genre une sorte de Jay-Z, voilà le milliardaire avec qui elle était. Vu qu'elle voit que c'est chaud, qu'elle ne peut pas avoir un enfant de ces gars-là, elle commence à se dire, OK, ben, je vais taper un peu plus bas. Je vais taper un peu plus bas et je vais prendre un gars, ça va, ça passe. Ça va, ça passe, il fera un bon père et ce sera bien. Et donc, du coup, il y avait ASAP. Parce qu'il a fait un moment qu'il est dans la friend zone et que genre il attendait son tour. Donc dès qu'on lui a donné le ticket, il a dit ah, il n'y a pas de problème. Et ce que je te dis, ça a du sens. Parce qu'ils se sont mis ensemble récemment, elle a déjà enchaîné deux enfants. Alors que ça fait longtemps qu'elle le connaît. Okay? Donc si c'était vraiment son premier choix, ils seraient ensemble depuis 10 ans. Et alors après, tu vas me dire ouais, mais quel est le mal? Je vois pas pourquoi la femme elle pourrait pas l'aider, etc. Bah, déjà, d'une part, parce que les femmes, c'est pas ce qu'elle recherche chez un homme, de manière générale. Comme je te l'ai dit, c'est pas son premier choix. Hein. Elle était avec le milliardaire avant. Donc après, elle est descendue et après, elle a fait un truc Vogue comme ça. Où genre, c'est elle le leader, c'est elle qui gère. Donc après, c'est sûr, si jamais tu rentres dans le courant féministe, tout le monde est égaux, on est interchangeable, époux 1, époux 2, il n'y a ni homme ni femme. Voilà, quand tu rentres dans ce truc comme ça, tu te dis, ah ben en fait, on est interchangeable, donc il n'y a pas de souci. Pourquoi il ne pourrait pas être la femme en fait?
Pourquoi il pourrait pas, bah ouais, pourquoi il pourrait pas être la femme, tout ça, machin. D'ailleurs, je vais te partager la vie d'une meuf, ce qu'elle a dit, elle trouve que c'est magnifique, etc. On regarde la vidéo, on en parle après. First, let's just talk about, like, the elements that we see. Obviously, Rihanna looking amazing, but then you have Aesop holding their son, and the way that they're holding hands, she doesn't look like she's pulling him. He just looks like it's kind of like, baby, go do your thing, but I got you, I'm right here supporting you. Also, Aesop is kissing their son, just like their son is just like the center of their joy and their bond. And like, when ever, I have never, ever seen a picture of a couple just kind of like announcing their child where the mother's not holding the baby, just truly showing like this is an equal partnership. This is, I, as a father, am not afraid to show affection. I'm here to show up for my child. Like, I love my, I'm embracing my child. Like, yes. Yes. Now, Rihanna is a woman that everybody applauds for just being in her total femininity, in her strength, in her, like, equal, like, softness, in her, just, like, in her energy. And a lot of men are just, like, incapable of truly embracing and supporting that. And the way that I have, like, we've all just watched this relationship develop and grow, and the mutual respect that they hold for one another, I'm obsessed with that, because I'm like, I need that. Like, I think every woman, well, like a particular kind of woman, we feel like our strength, you know, it's almost like a hindrance for us to be able to be loved. However, honestly, this whole relationship gives me every single hope that I honestly never had. And it's very different than seeing, like, I don't know, maybe a Beyoncé and Jay in that era, or like a Kim and Kanye, whatever, I don't know. Anybody else who you view as like being this international sex symbol and this strong woman, there's just something completely different about this particular scenario. Why? Because Rihanna's at the forefront and she's being celebrated. And we have Aesop that's just showing up. Like, he's showing up and he's just happy. He's just happy to be there. In the era of toxic male podcast, be an Aesop. That's all women need to shine. Just be an Aesop. Donc, tu vois, je crois qu'à la fin, je pense qu'elle parlait pour moi. Elle dit, ouais, les hommes toxiques, là, soyez comme Aesop. Merci du conseil, mais c'est rare. Merci. Je te le dis direct, si jamais tu te comportes comme Aesop, les meufs, elles te voient pas. Tu fais que tu les repousses, hein. Ça c'est clair et net. Fais un test pour voir, tu verras. Donc alors je vais reprendre un petit peu ces points parce que c'était quand même magnifique ces commentaires, hein. Là j'ai cru vraiment que c'était une blague. Au début, quand j'ai regardé, j'ai rigolé et après j'ai failli pleurer. J'étais rempli de compassion pour elle. J'ai dit mais pourquoi? Qui t'a heurté? Qui t'a fait mal? Qui t'a fait du mal? Donc déjà quand elle dit ouais, le premier point c'est qu'elle dit ouais, c'est lui qui porte l'enfant, il embrasse son enfant, il n'a pas peur de montrer toute son affection pour son enfant et ça déchire quoi. Ouais mais moi je suis d'accord avec toi, mais enfin, ça c'est toujours dans le truc de, il y a certaines femmes qui veulent absolument qu'un homme montre son affection comme une femme. Ben non en fait, un homme montre son affection comme un homme et la femme montre son affection comme une femme. Voilà, et c'est pour ça qu'on est complémentaires. C'est pour ça qu'il y a le pôle masculin et le pôle féminin. Et voilà, et on ne fait qu'un. C'est l'idée de base. Voilà. J'espère que je ne choque personne. Voilà. Parce que maintenant, je sais que tout est interchangeable. Le deuxième point dont elle parle, elle dit, ouais, ça déchire. Que Aesop, il est capable d'embrasser, d'être avec une femme forte. Parce qu'elle dit, regarde, Rihanna, c'est elle qui est forte. C'est elle qui gère. Elle sait, t'inquiète pas, je gère tout, etc. Et voilà. Et elle aime ça, quoi. Elle trouve que ça déchire. Et qu'aujourd'hui, les hommes, ils sont incapables de gérer des meufs comme ça. Alors, non, chérie, c'est pas que les hommes sont incapables de gérer des femmes comme ça. C'est juste qu'en fait, ils aiment pas. Je sais pas, c'est un truc, je sais que c'est dur à entendre, peut-être ou à comprendre, mais en fait, les hommes, il y a des critères. En fait, les hommes sont attirés par certains traits chez une femme, et ce n'est pas sa force à l'idée ou un truc comme ça. Voilà. C'est pas genre qu'ils arrivent pas à gérer, c'est trop fort pour eux. Non, c'est juste qu'en fait, ça les attire pas. Et après, elle dit, ouais, et j'aime bien parce que, tu vois, c'est la première fois que je vois ça. Bah, t'es pas posé la question. J'ai jamais ressenti cette énergie.
auprès de Jay-Z et Beyoncé ou avant, je sais pas, Kanye West et Kim Kardashian. J'ai jamais ressenti ça. Et ça lui donne de l'espoir, parce que j'imagine que pour les femmes comme elle, elle dit ouais, moi je suis strong et indépendante, tu vois, ce qu'il dit en anglais, là, super forte, etc. Ben ouais, mais peut-être parce qu'en fait, tout simplement, c'est un modèle qui ne fonctionne pas, peut-être. Moi, pour moi, c'est un modèle qui ne fonctionne pas. Il y a peut-être des exceptions, mais pour moi, ASAP, je ne lui donne pas longtemps, hein, ça, il va sauter. Pour moi, il va sauter, c'est mon pronostic, les gars. Une fois qu'elle aura fait tous ses enfants, etc., qu'elle aura comblé justement son envie d'avoir un enfant, voilà, elle a eu ses enfants, là, voilà. À un moment donné, elle va être là, c'est bon, mes enfants, ils sont là. Elle va regarder Azap, elle va dire, mais c'est qui, lui? Vous travaillez ici, monsieur? Vous faites le ménage, non? Quoi? On est ensemble, normalement? Allez, d'accord. Bon, allez, on va signer le truc de divorce, hein. Attends, c'est sûr. C'est une évidence, gars. Le dernier gars qui a subi ça, c'est l'ex Agilo, hein. Une fois, j'avais fait une sorte de photo aussi pareil où le gars, en fait, ce gars, ça se voit qu'il se comportait trop en fan, tu vois. C'était Alex Rodriguez, voilà. Alex Rodriguez, qui était avec Gillo avant. Gars, dès que Batman, gars, il a pu se libérer, donc je te parle de Ben Affleck, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Dès qu'il a pu se libérer, gars, elle a fait bon, c'est qui toi? Non, en fait, je me suis trompé, hein. Chut, elle est partie. Dès qu'elles peuvent avoir accès à l'alpha qu'elles veulent réellement, mais gars, elle a sauté le gars. Alex Rodriguez a été descendu d'un cran. Elle s'est dit, bon, voilà, ça va, ça peut passer. Tu vois, genre, sorte de bêta qui passe. Parce que je le voyais, même lui-même, des fois, je me rappelle, j'avais vu un live avec Alex Rodriguez et Gillo, où Gillo, elle parlait, elle avait fait un live avec P. Diddy, tu vois. Et genre, le gars, elle dit, ouais, il est fan de toi, etc. Nahina. Et genre, ça se voyait qu'Alex, il était un peu. Intimidé par P. Diddy, tout ça, machin. Et il était là, il lui parlait, ouais, franchement, j'aime trop, ça, machin. Mais déjà, j'ai dit, mais gars, t'es en train de d'être le fan d'un de tes ex, de son ex. Ça désexcite la taf direct, ça. Ça désexcite la taf direct. Bref, donc ça, c'est la petite parenthèse. En tout cas, lui, il a sauté. Hein. Chut. Dès qu'il y a eu un gars, là, Batman est arrivé, il a sauté. Ah! Elle a dit, oh! Et c'est exactement ce qui va se passer pour ASAP. C'est mon pronostic. Donc je reviens sur son commentaire. Elle disait, ouais, en fait, ASAP, il est juste content d'être là. Mais c'est justement, c'est ça le problème. C'est qu'il est juste content juste d'être là, quoi, en fait. Fais tout ce que tu veux, que soit fait. Même si je suis plus un homme, je suis plus rien. Tant que je suis dans le même lit que toi, c'est bon. Tant qu'on est ensemble, c'est bon. Et évidemment, après son dernier conseil, soyez comme des ASAP. Non, ça ne fonctionne pas. Elle a dit tous les toxiques, parler directement à moi, j'imagine. Hein, tous les gars toxiques, parce que juste être un homme, à chaque fois ça me fait rire cette expression. Toxic masculinity, mais ça veut dire quoi? Ça n'existe pas. Enfin, toxic masculinity de quoi? Il y a masculin. T'es masculin, ou je ne sais même pas comment on dit masculin. T'es masculin, masculine? Je ne sais même pas comment on dit. T'es masculin, c'est tout. Il n'y a pas de toxique là devant ou derrière, je ne sais pas. Pas ce que tu dis, comme s'il y avait toxique féminité aussi, je sais pas. Et ce qui est intéressant, c'est que cette femme là, genre, du coup, c'est qui a fait le commentaire, donc elle a 33 ans, deux enfants. Écoute son retour d'expérience avec pour sa dernière relation, quoi, avec le père de son enfant, en fait, de ses deux enfants. Regarde la vidéo. I'm 33 years old, and when I was 23, I was with a partner that was 15 years older than me, by whom I had two children that I'm no longer with. I just want to briefly share some of the things that he would share with me by which I was impressed by. Being told constantly that I'm not submissive, being reminded constantly that because he was 15 years older, then he knew better in every respect. Driving, buying groceries, pretty much anything and everything that we were ever participating in together or that I was doing even when I was independent of him. Being constantly criticized for the way that I chose to wear my hair, wear my makeup, do my nails, clothes that I would purchase, the way that I would take care of my children, also in every single respect. Being constantly told that I was too loud, being told that I was a bad communicator, being told that I was overly dependent, being told that I did not use my resources properly to solve the problems that he himself had created in my own life. What impression did this make upon me when I did leave that relationship to US? That I was unlovable, that I was unloving towards others, that I was pretty much a failure in that entire scenario, that there was nothing that I can ever do to satisfy a partner in my life. What was his greatest disappointment with me? He would oftentimes tell me that he did not understand how in the bed that I can measure up to him as a partner, but out of the bed that I could not. Bon, du coup, je pense qu'on est clair. Voilà. Là, elle vient juste, en fait, de juste, elle m'a pris toute mon énergie quand j'ai écouté. J'ai dit, en fait, le gars est à, en fait,
Tu n'as juste pas les qualités d'une femme, en fait. D'une épouse, plutôt. Le gars, il t'a tout dit, en plus. Le gars, il t'a tout dit, elle est même vénère, en fait. Elle comprend pas. Le gars, il lui a tout dit. Parce que des fois, j'entends des meufs, elles me disent, ouais, les gars, ils communiquent pas. Les gars, ils disent pas, ils parlent pas. Et puis après, genre, d'un coup, c'est fini, ils n'ont pas vu venir. Bah là, en tout cas... C'est clair, il lui a tout dit, mais jusqu'à maintenant, on n'entend pas, alors qu'ils sont plus ensemble. Jusqu'à maintenant, elle ne comprend pas. Elle n'a toujours pas compris. Je peux te dire qu'elle va rester un bon moment toute seule, parce que vu tout ce qu'elle a dit, quoi. Les gars, mais qui est-ce qui va aller? Imagine, tu rentres du boulot, gars, tu dois parler avec une meuf comme ça, gars. Oh là là, non. Bon, bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. C'est mon avis, ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas si t'as pas aimé. T'as Zeus, c'est Secret Nature Féminine en description, c'est la base. Et je pense que si Azaproki ne prend pas Zeus, dans pas longtemps, il va sauter. C'est sûr et certain. Et puis les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être ton camp.